Oh, t'es User joined sérieux? your channel. Oh, je suis mal, moi. Pourquoi? Teste. Le A5 FPS. Non, c'est pas possible, c'est impossible. Moi, je suis en phare plus 32 et je suis à 80. Ceux qui ont les micros qui bug à moitié, push to talk. Hein. Et je... Quoi? Tout le monde est sur le serveur, sauf moi là. C'est normal, t'as vu les insultes que t'as balancées. Tellement un petit peu spécial que je vais commenter. Comme vous le voyez, on se retrouve dans un spawn un peu atypique avec le poussin et 12 fabuleuses personnes qui me fournissent un écho considérable sur TeamSpeak. Nous sommes aujourd'hui ici pour Kill the Poussin, un fabuleux plagiat de Kill the Patrick qu'on honorera. Et on a repris le principe parce qu'on aime bien, je précise, hein, parce qu'on n'a pas d'originalité, n'est-ce pas madame? Bon, ok, je m'en tais. Donc on est 12, ça va bientôt commencer et je vais laisser nos invités. Je vais essayer de présenter par rapport au pseudo. Vu que je suis en F1, je vois pas. Hein, donc Mercure Crafter, je connais. Action. Bonsoir. Gabro 957, si je m'abuse. Putain, je m'appelle plus. Robin le Fou. Latine. Burki. Je savais que j'avais déjà joué avec toi. Aaron Erix. Je ne sais plus. Bah oui. Je ne sais plus. Qui c'est qui a un B sur son t-shirt? Moi, B-Books. Ah, c'est oui, Batman. Donc B-Books, Matt du 50, PG Mister, magnifique professeur, et Lulu Alex. Bonsoir. Et donc voilà, tous ces gens-là, avec mon cher Poussin, donc moi je commande, vous l'avez vu, je suis en game mode. Avec mon cher Poussin, ils vont tous se faire un ultra hardcore, donc vous connaissez les règles. Si vous les connaissez pas, vous allez vous faire voir. Ou alors je vous ferai une petite partie au début, je vous aurais peut-être fait une petite partie au début pour vous. Sachant que la map fait 2500, voilà. Par 2500, voilà. Oui, c'est grand, mais on est quand même assez nombreux. Donc, non, Axius. Sachant aussi qu'il y a pas le droit de tuer pendant les 10 premières minutes de les points épisodes. Voilà, bref, bon, qu'est-ce que vous pouvez recommencer là, parce que... Et invité spécial, Elarcis. Elarcis avec nous. À ta place, Axius. Pas les invités. sur ce, par contre, moi, je vais devoir faire une ellipse, mes abonnés, parce que je vais devoir quitter pour ne pas être considéré comme un joueur. Oh, oh, shit. Oh, oh, shit. Allez, on se retrouve juste après. Ouais. Allez, à tous, bonne nuit. Ouais, Amandine. Au revoir. Et vous avez... Attends. Le Amandine. Attendez, je reviens. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Oh. Salut à tous et à toutes, et donc c'est parti pour ce KTP. J'ai failli... donc là, c'est bon, j'ai compris. Donc là, je vais prendre directement... Ah, mais ça va, j'ai des vaches. Ne pas courir, ne pas courir, ne pas courir. Ça. Ok, donc on a recommencé deux ou trois fois parce que ça avait complètement bugué. Donc voilà. Donc là du coup je ramasse directement du bois, ça ne lag plus apparemment. À part les chunks. Ça je vais pouvoir les réinitialiser au pire. Avec enfin pour l'instant c'est le serveur qui doit les charger, donc je vais laisser le serveur les charger tout seul. Je vais éviter de mourir de faim, donc je vais tout de suite me faire ceci. Je prends ça, je fais comme ça, et je pars à la chasse aux vaches. Passionnant. Alors, je laisse toujours des tables de craft derrière moi, ça va être rigolo. Ok, donc j'ai déjà, c'est déjà ça, j'ai déjà du cuir. Je vais essayer d'avoir un max de cuir pour déjà me faire une armure en cuir. À part si je le garde pour des livres, je sais pas. Bref, alors. Reviens ici, vache! Espèce de vache! Attends, c'est ce que tu es. Espèce de débile. Oh, une vache. C'est très le cuir. Alors, le but là, premier épisode, vu que j'ai beaucoup d'animaux, je vais tous les trucider. Par contre, j'ai moins ce bruit là, je viens d'entendre un squelette. Ok, ces traits les level aussi. Je vais arrêter avec ces traits.
Je vais tuer tous les cochons et toutes les vaches qui passent sur mon chemin. J'aime pas du tout ce bruit là, je vais me casser. Non! Pardon, désolé, je parlais à mon petit frère. Passionnant ma vie. Hein. Tu veux bien un biscuit? Parce que j'aime les biscuits. Non! Désolé, il a pas compris. Alors, ça, c'est, ceci est une vache. Passionnant. Je vais éviter de me prendre des dégâts de chute. Alors, une autre vache. J'ai déjà pas mal de cuir, je vais pouvoir me faire un minimum de stuff pour éviter de mourir. Pour éviter de me prendre des dégâts en fait sur purée, mais j'aime pas les vaches. Alors, juste que j'évite de me prendre des 3 blocs de hauteur. Oh là là, cette génération de nappe, c'est merdique, c'est bizarre, c'est. Mais normalement je l'ai tapé la vache là. J'espère que ça me fera pas ça plus tard parce que. Donc 19 19 19. Ok, je vais partir dans cette direction, je vais aller chercher un petit peu de bois. Marécage, ça m'intéresse pas du tout. Et d'abord avant d'aller chercher quoi que ce soit, je suis déjà bon là niveau ça. Je vais peut-être chercher un village, je m'inspire un petit peu du KTP, oui je sais, mais là niveau bouffe je suis vraiment très bon. Je ne respecte pas la nature mais je m'en fous. Ah, une petite croix, ça c'est pratique pour avoir de la cobble bleue. Je vais miner beaucoup de cobble bleue. Autant que ma pioche peut en miner. Apparemment, je suis pas près de plein d'autres personnes. Parce qu'apparemment, là, il y en a qui se sont déjà fight. Donc ça s'annonce bien. En espérant que ça dure pas trop longtemps, je vais partir directement à la chasse, moi je vous le dis. Dès que j'ai de l'or, dès que j'ai de quoi me régénérer un petit peu ma vie, je vais partir à la chasse en mode what the fuck. Mais bon, là je prends d'abord un petit peu de cobble, ça peut toujours être très pratique. En sachant que j'ai pas de bois. Ah si, j'en ai du bois. Je croyais que j'en avais plus, mais j'ai pas regardé dans mon inventaire. Donc il m'en faut assez pour faire plein de choses. J'entends déjà de la lave. Je vais éviter d'aller trop profond, de rencontrer des monstres, etc. Il y a Eternal Day, donc on va pouvoir se promener directement dès le début en cherchant ce qui nous intéresse. Donc ça va être, je pense que ça va être assez bien. Wow, oh là, oh le flip. Je me suis dit putain, qu'est-ce qui va se passer. Oh mon dieu, je flippe pour rien. 20 points platine, GG. C'est pas compliqué. Hein. J'aime pas ça parce que j'entends de la lave, donc je vais peut-être éviter de creuser dans cette direction, je sais pas. En fait, ça permet de miner un stack de cobble, une pioche apparemment. Alors. Là, elle va péter ma pioche. Ok. C'est bien ce que je croyais. Donc, on va faire. Et en pierre, on va faire un petit peu de four. Je vais pas tous les faire, je vais en faire un seul. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça du coup, si je veux en faire un seul, j'aurais dû m'y prendre autrement. Et c'est parti, je vais au moins en faire fondre une. 2 minutes et Mercure est mort. Oh, un cube de Neverrack, ils sont sérieux. Ah oui d'accord, c'est le. Ça doit être l'admin. Bon, alors. Il faut juste aller encore un petit peu de bouffe. Voilà, et le reste ça va pas cuire. Donc là, je me fais ça, je me fais ça, je me fais ça, je me fais ça, je casse ça, je me casse ça. Non, sérieux, j'ai des chauffeurs. Tue-moi après. Il est con. Bref. Donc maintenant qu'on a mission bouffe, que la bouffe c'est fait, je vais manger un petit peu quand même de ce machin là.
Et c'est parti. On s'y met ici. Et on coupe des petits arbrisseaux. Pour essayer d'avoir des petites pommes. J'hésite à faire ça ou à courir sur toute la map. Ah donc c'est une map de 1000 par 1000 parce que je vois le mur là donc je peux en déduire. Ok, d'accord. Je vais carrément partir directement à l'aventure. En tuant toutes les vaches qui sont sur mon passage. Bon, je suis pas trop mécontent, je suis content, je suis pas mal parti. Ça c'est quoi? Une grotte sautée, une petite grotte. Je vais essayer de ramasser quand même le fer que je vois. J'ai déjà tout l'équipement qu'il me faut, j'ai toute la bouffe. J'aurais pu me faire un petit peu de stuff cuir, mais bon, à quoi bon? Ça m'aurait pas servi à grand chose. Allez, la vache, tu meurs s'il te plaît. Il me faut juste un tout petit peu plus de bois au cas où. Le bien, enfin ce qui serait bien, pardon, le bien, ça serait d'avoir un stack de planches. C'est tout ce qu'il me faudrait. Ah le flip. Oh purée, quand j'ai eu peur quand il est arrivé, c'est un administrateur en fait, celui qui est avec le bloc de Bedrock. Oh là là. Bon, apparemment il n'y a pas beaucoup de chance d'avoir des pommes ici. Ou bien j'ai pas de chance. Là je risque pas de trouver quoi que ce soit, putain le biome neige. J'essaie d'avoir le plus de cuir possible. Mais je suis vraiment dans un coin, moi. Un coin paumé. Oh, il neige. C'est mignon. Alors. Oula, je vais éviter. Mais alors, vraiment, je vais éviter d'aller là-dedans. Même si je pourrais... J'ai assez de blocs pour remonter et tout, mais c'est pas mon but. Ça peut ne pas être très cool. Alors les vaches. Putain, en plus on n'y voit rien avec la neige là, c'est vraiment c'est pas mal foutu quand même Minecraft. Hein. Ça me fait penser au bizarre qui est un petit peu dans près de chez moi quand quand c'est l'hiver. Je les nargue un petit peu, j'ai 43 steaks, donc autant en profiter de les narguer, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il dit GG? Oh, le mec, il est déjà à 3. Je sens que ça va aller très vite. J'avais vu une... Non, tant pis. Zombie, bah oui c'est ça quand tu traînes dans les grottes mon petit gars dès le premier épisode. En fait tout le monde en a eu rien à foutre de mon commentaire. J'ai dit que j'avais des steaks. Ils s'en battent les steaks, c'est le cas de le dire. Donc... C'est bizarre ça, ça fait genre on a miné. Si je me trompe pas le mur était par là-bas. Je sais pas si je longe le mur ou alors si j'y vais à la one again. Oh putain! Oh le flip! Vous verrez, je flippe avec ce son! C'est what the fuck! Oh là là! Ah putain, j'ai mal au bras! Aïe! Ah, je viens de craquer! Putain, j'ai craqué là, mais vraiment. J'ai failli péter un plomb quoi! Oh là là! Alors, ici, kill you bitches. Est-ce qu'il y aurait
moi ce qui m'intéresse ça serait juste de voir un tout petit peu de... Bah voilà, tiens. C'est tout ce que je voulais, juste ça. Alors... J'ai des gammes à fond, donc vous verrez bientôt le long de la vidéo, mais par contre il va quand même falloir que j'éclaire. Parce que sinon ça va spawner dans tous les sens. Je prends juste un tout petit peu de charbon les gens, pas beaucoup. Faut que je vire très très vite de cette grotte. Ah bah tiens, oh là là, cette chance. Oh les chettes. S'il y a le sol juste au-dessus de moi, donc je pourrais sortir très facilement. Voilà, j'ai déjà presque un stuff en fer. En sachant qu'on n'a jamais assez de fer pour les enclumes, etc. Donc je vais tout... What? Ouais, petit glitch. Il n'y a plus rien à espérer d'ici. À part, je vais prendre un petit peu de ça pour me faire éventuellement un briquet ou quoi que ce soit. Et je vais très vite sortir d'ici parce que je n'aime pas du tout le fait que ça soit une grotte. Parce qu'il n'y a pas de lumière dedans, évidemment. C'est logique vu que c'est une grotte, quoi. Putain, il me fait flipper le multimix, ça. Multimix vient de m'envoyer un truc sur Skype. Et il me fait flipper. Toujours se mettre en sneak quand on mine, surtout en KTP. Bon, là j'ai mon temps. Je peux faire ce que j'aurais bien aimé. Il faut absolument que je trouve un village pour les carottes. Parce que je compte faire le coup des trucs d'invisibilité, des potions d'invisibilité. Mais bon, il faut d'abord que je sois préparé. À tout. D'abord je fais ça, j'entends des vaches au-dessus. Là, ici, du charbon. Voilà, bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il manquerait plus que des boules de neige, ça pourrait être pas mal ça. Faire des dégâts à distance. Ça spam à mort. C'est un petit peu comme un arc mais en mieux. J'ai entendu une vache alors. Ouais, ah putain, elle était loin. Ah non, elle était juste là. La pluie, ça fait laguer. Mais pas chez moi, tu vois. Un petit peu, je tourne à 20 fps. Bon, c'est correct pour faire une vidéo quand même. C'est pas trop trop mal. Je me permets de courir les gens parce que je le peux. Bon, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis calé. Voilà. Toc, toc, toc. Je tue tout ce qui se présente sur mon passage. Une bague de loot. Enfin, c'est des petits frises. Kilomètres de marche et toujours de la neige, c'est très bien, c'est cool. Ceci était une blague bien sûr, mais purée, tu vas mourir. Oui, et elle est où? Toujours prendre tout. Off, ça fera moins de gay. Bon, ça, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a déjà plus qu'une minute 40, ça va bientôt être la fin de ce premier épisode. Je vous avoue qu'il aurait été un petit peu... Bon, je vous avoue, tuer des vaches pendant tout un épisode, ça doit être un petit peu ennuyant. Surtout, enfin, à part quand on n'arrive pas à les tuer, ça peut être
assez jock, mais c'est pas marrant quand même. J'ai déjà un stack de steak. J'aime pas cette phrase d'ailleurs. Et voilà, non, même pas. Encore une minute. Non, je l'ai tué. Ah, ils me font péter des plombs. Il va falloir que je les fasse cuire tous ces machins là. Putain, toute la bouffe que j'ai les mecs, c'est hallucinant. De rien. Enfin les mecs, ou les dames, je ne sais pas. Il y a peut-être des auditrices, enfin des auditrices, enfin des... Oh purée, je vais péter le câble. Voilà, t'es là, t'es contente? Allez, on court, on s'en fout, on s'en contrebat les steaks. Et ça va être déjà la fin de ce, du premier épisode. Ça sera passé vite. J'ai envie de faire un truc. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année!